Aujourd'hui, le positionnement de la station de Saïdia, il est très clair, une destination premium, mais surtout axée sur le sport. Et croyez-moi que nous œuvrons tous dans ce sens. On témoigne aujourd'hui ce triathlon qui est d'une organisation irréprochable. Je suis très contente d'entendre qu'il y a des gens qui découvrent Saïdia grâce à ce triathlon, qui sont venus, des Marocains qui sont venus pour la première fois, et ça fait chaud au cœur. Donc pour moi, l'objectif est atteint. On est en train de vivre un événement qui est très bien organisé. On sent donc le degré de professionnalisme que soit Mehdi ou soit Benjamin ils sont en train d'engager au niveau de l'organisation, au niveau de tous les paramètres, on va dire, techniques de la course. Je découvre la clientèle, les triathlètes marocains. Je vais les appeler mes amis parce que je les prends tous dans les bras à l'arrivée. C'est extraordinaire. Je suis très heureux qu'ils découvrent cette région. Ça fait 4-5 ans que j'en parle. Il y a un vrai potentiel pas exploité autour du sport, du trail, du triathlon, du vélo, du course à pied, du swim, open water swim. Il y a tous ces sports-là qui doivent être exploités parce qu'il y a un terrain de jeu propice à ça. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise après des montagnes russes entre 2020, le coronavirus. Aujourd'hui, en 2023, malheureusement, il y a eu le séisme. Et toutes mes condoléances pour cette région de l'Haouz qui a eu beaucoup de décès, beaucoup de blessés. Encore une fois, mes condoléances. Et donc, on est là, donc c'est un rêve. Aujourd'hui, on réalise le rêve, donc on le vit à 1 000, à 10 000, à 1 million. Si moi je fais partie des Marocains qui découvrent cette région, donc c'est vraiment très belle découverte et je remercie les gars de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance pour m'associer à eux dans cette aventure. C'est vraiment toutes les valeurs du sport qu'on aime, de la famille, de la convivialité, de la chaleur. Je savais que Benji allait s'adapter. Je savais qu'il était fait pour remporter le Frenchman au Maroc et que ça allait être un très beau mariage. Et là, vous le voyez, une ambiance magnifique. Et je pense que le triathlon est vraiment fait pour cette région.